Est-ce que vous avez déjà joué avec le canon-jar? Non. Eh bien moi non plus. Et pourtant, ce n'est pas faute de l'avoir ramassé dans nombre de mes runs. Mais quand j'ai récupéré le nouveau canon de Rabat, ça a été la révélation. Il fallait que je fasse une run avec. Avec le canon de Rabat, je conquiers sans crainte. Dans les ténèbres, je combats jusqu'à la dernière teinte. Les ennemis tombent sous ma puissance, leur fin est écrite. À chaque tir, leur destin est scellé par mon arme pénible. Avec le canon de Rabat, je conquiers sans crainte. Dans les ténèbres, je combats jusqu'à la dernière plainte. Les ennemis tombent sous ma puissance, leur fin est écrite. À chaque tir, leur destin est scellé par mon arme bénie. Oh putain, c'était une éternité, j'avais l'impression que ça s'arrêterait jamais. Après une quinzaine d'heures à expérimenter le canon de Rabat, voici ce que j'ai découvert en termes de points forts et de points faibles. On commence avec les avantages. Inflige des dégâts élevés, peut faire tomber les ennemis petits et intermédiaires, ses tirs sont auto-guidés, et ses prérequis en stats sont bas, donc on atteint un pic de puissance assez tôt dans la partie. Et maintenant les points faibles. Et croyez-moi, il y en a. Doit être tenu à deux mains. Son rechargement est très lent et impossible à annuler. Tirer avec le canon implique de rester immobile pendant 4 à 5 secondes. Coûte assez cher en endurance, seulement 5 types de grands carreaux et un seul qui est craftable, les autres doivent être achetés, 20 carreaux maximum par type sur soi, donc 100 au total, et ne scale avec aucune stat. Pour ce qui est du contexte de la run, je suis actuellement en NG+1, je joue pour la première fois au clavier souris, donc il m'arrive de confondre mes touches, j'essaie de tuer tous les boss uniquement au canon de Rabat, et les invocations sont autorisées, mais seulement en soutien, donc pas d'esprits qui font tous les dégâts à ma place. Oh, j'ai fait zéro dégâts. Ah mais c'est parce qu'il se protège. Ah oui d'accord, j'ai eu peur. Oh j'ai eu peur. C'est n'importe quoi. Bon allez, on va courir un peu. On va l'attaquer. Merde. Dommage, il a sauté au bon moment. Ah putain, le bouclier il a une fausse hitbox en fait. Le bouclier il le protège partout devant lui. Boum. Oh non, tricheur. Par contre l'endurance c'est un problème. En vrai je dis ça mais je pourrais juste éteindre mon cerveau et faire ça. Le pire joueur, j'avais même pas vu que le ravin il était derrière moi. Oh j'ai le démon. Comme quoi, même avec la meilleure armure hein. Donc on a dit mélange de salut. Il nous faut un truc qui augmente les dégâts. Attaque de feu du coup. Augmente temporairement l'équilibre. Qu'est-ce qui peut être fort sur mon build? Augmente la puissance d'attaque mais draine les PV. Ça c'est littéralement dans son intérieur. Ah ouais, puis les PV ils descendent vite hein. C'est pas cette touche. Bon, moi, il peut pas me cancel avec toute la. Merde. Avec toute la poise que j'ai. Oh non, j'ai loupé! Alors qu'il a fait un saut minuscule. Ah mais je suis con, j'utilise même pas les bons carreaux. Bon, c'est pas grave. Maintenant qu'on a commencé avec ceux-là, je me suis trompé, c'était les carreaux de feu que j'avais utilisé.
Ouais, bon, donc du coup, faut que je vois combien elle donne de dégâts la larme qui me fait perdre des points de vie, parce que du coup, ça désactive forcément mon talisman des pérituels. Si ça me donne pas plus de dégâts, ça sert à rien. C'est 20%. C'est quand même mieux que ça. Mais du coup, faut trouver autre chose à mettre ici. Allez-y, allez tanker pour moi, fidèle serviteur. 1238. Oh putain, il va les détruire. Oh. Il les détruit. Ah, du coup, ça peut valoir le coup de mettre le truc Insignia là. Il est ouf. Vite, vite, plus vite. Et il va déjà passer en phase 2. Bon là il tank. Merde! Ah putain, je le visais plus, dommage. Dommage, j'ai raté du DPS là. Ouch, ça fait mal. Bouf! 1139. Je vais quand même essayer avec un normal pour voir. 1079, donc ça fait un petit peu plus quand même. Ça consomme quand même beaucoup d'endurance hein, pour un truc à distance. Ouch. Ouch. Il va me tuer quand même. Je vois rien. Je vois rien. Mais je vois rien, frérot. Oh, ça touche. Oh, la range. Allez, ciao. Mais ça a failli mal finir, hein. Faut que je garde mes distances. Ouais, mec, je joue Tristana sur Dark Souls. Headshot. Par contre, le rechargement est long, hein. C'est pas la vitesse d'attaque de Tristana. Clairement. Hop, vous allez tanker pour moi. D'ailleurs, je me suis trompé. Il est où mon insigne là? Il est là. Merde, c'est pas le bon carreau. C'est pas le bon carreau. Boum. 800, j'ai fait. Et avec un normal, je fais combien? Putain, l'esquive, la connasse. 920. Mais attends, mais avec un carreau de foudre, je lui fais moins de dégâts qu'avec un carreau physique, alors qu'elle est faible à la foudre. C'est une blague. 773. Mais c'est giga nul. En ça. Ok. Oh, je suis triste. Ah, les carreaux de foudre, ils sont téléguidés, let's go, c'est trop fort. On va pas faire long feu. Boum. Hop là. Qui a dit qu'il fallait être killé pour jouer Elden Ring? Suffit juste d'avoir un gros canon. Il m'a même pas touché à cause du caillou. De toute façon, il va pas rester, il va s'en aller. Voilà, fuis! C'est ça! Retourne chez ta mère! Qu'est-ce que ça va donner ici, vu que j'ai déjà 10 Memory Stone? Ah bah super! Bah bravo les devs, hein! Même pas une récompense pour les gens qui jouent à NG+. Bravo, ça donne envie. On comprend pourquoi j'ai jamais joué à NG+. Hop là. Ah, je suis con, j'ai plus de carreaux. J'ai plus que 5... Oh putain, il les a déjà niqués. Ok, faut vite que j'attaque, là. Wouah, 1400. Let's go. Allez, vite, avant qu'il meure.
J'ai même pas besoin de plus de 5 carreaux. Hop, ça dégage. Bon bah je l'ai tué en 3 carreaux et demi hein. J'étais en mode merde, j'ai oublié de craft des carreaux en os avant de rentrer dans la pièce, mais pas besoin. Ça souffle pas par là. Oula, lui. Oh, lui, il me fait peur. On va zoomer. On va lui faire un headshot de la mort. Oh, let's go. Oh, c'est un tricheur. C'est un gros tricheur. Quoi? Il a été stagger 2 secondes. C'est un gros tricheur. Il a été stagger que 2 secondes. Le problème c'est que je peux rien faire contre lui là. Il va faire que de brandir son bouclier quand il est loin. Et quand il est proche, voilà. Ah, c'est de la daube. Allez, ciao. Ouah ! Non ! Oui ! Chez ! Oh non, pas le dragon, pitié. On devrait pouvoir utiliser Torrent ici. Est-ce que le feu vient jusqu'à moi ? Non. Quoi ? Mais... Pardon ? Attendez, c'est nouveau ça ? Est-ce que ça va la cancel ? Oui ! La cancel, let's go! C'est fort. Hein. Merde. Voilà, j'ai pas le temps. Voilà, je reprends mon petit buff de 15% pendant. Oh, ça l'a pas touché. Elle s'est protégée derrière le géant, j'ai l'impression. Ah, c'est ça. Ah non, ça l'a touché, ça traverse. Aïe. Bon, c'est bien là, je lui cancel au moins. Oh, oh là 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 là. Non. Oh, j'ai de la chance. Oh, ça touche, tricheuse. En fait, faut pas que je la laisse jouer. Hein. Ah putain, là c'est le Bloodhound. Et puis lui il fait du saignement. Tant pis. Bon, il lui reste un point de vie. Ça devrait être bon. Oh, j'ai plus de carreaux. Merde. Non, c'est pas cette touche. Hop là. 806, pas dégueu. Ouais, c'est de la merde. Hein. Les autres carreaux sont nuls à chier en fait. Oh, les dégâts. Ouch. Ok, plus qu'un tiers. Hop là. Cette OST est incroyable.
Celui qui pense le contraire est un rageux. Le buff plus long que le combat. Attends, on a rien vu, hein. Bon, en tout cas, on est pas mal avec les carreaux en os, déjà. J'arrive même pas à me rendre compte lequel fait le plus de dégâts. 970. Ok, avec le carreau. Bon, le problème, c'est que comme les soldats font des dégâts, de 1300, on est passé à 2100. Donc ça veut dire 800 de dégâts. Donc c'est moins bien. C'est un truc de ouf quand même que les carreaux les plus forts, ce soit les carreaux en os, alors que c'est censé être les plus cheap. Ouch. Ah bah oui, tu m'étonnes. Un pur plaisir. En effet. Ah là, avec les stuff du DLC, c'est un régal. Okay. Faut que eux, ils aillent tanker. Il va m'emmerder, lui. Je le sens. Je veux jouer au canon, je veux pas être au corps à corps. Non mais... C'est quand qu'il mange sa mère, sinon. Parce qu'en fait, là, je vais perdre mes buffs avant même d'avoir tiré. 1117. Peut mieux faire. Oula. Allez-y, prenez l'aggro. Moi, je ne fais que DPS. Bam. Bam. Ah, je crois que je l'ai loupé. Attaque puissante. 1153. Ah, c'est pas dégueu, hein. 1153 et un normal 1188. Ouais, bon, en fait c'est similaire, donc autant pas gâcher les meilleurs carreaux. Il me reste un soldat. Ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois qu'il y en a un qui meurt, j'ai un buff. Avec le canon. Ah oui. Bon, pour l'instant, ça va. Disons que ce qui est chiant, c'est les munitions. Ça a très peu de munitions, le canon. C'est son gros défaut. On va voir quel dégât je fais. Ouais, 1076, ça va. Hein. Après, j'ai pas mis tous les buffs aussi. Ah merde, il va tuer tous mes connards. T'as une zone préve dans le jeu? Ah, je saurais pas te dire là comme ça. Bah dans le DLC si, les bois abyssaux. Oula. Oh le bâtard! Oh, j'ai oublié de roll, je suis un connard. Bon, il m'a pas tué mais il va falloir que je me heal très vite. Mais pourquoi t'as tiré? C'est de la merde. Je vous jure, c'est de la merde. Oh, il peut dodge. Oh, il dégoûte. Oh là là, la triche. Il a failli m'avoir. Hein. Ah, c'est impossible. Moi, je vais perdre. Je vais perdre, c'est trop compliqué.
Allez, un tir. Oui, let's go. C'est l'enfer. Pas vu. Oh non. Ça va être l'enfer pour repartir là. Bah voilà. Moi j'abandonne. J'abandonne, c'est trop long. Le trail là il a duré combien de temps? Au moins 10 minutes. Ah ouais, ça fait quand même beaucoup plus mal qu'à Rikard. Hein. Ok. Et merde. Bon, ça va. Ah, ça, ça va moins. Ça, c'est vraiment très, très dommage. Putain, j'avais 100% touché l'œil, là. Rendez l'argent. Remboursez-moi mon canon. Ouais, ils ont fait un nouveau canon, ouais. Canon de Rabat. Je pense que c'est grossièrement la même chose. J'ai jamais joué avec le premier, mais... c'est la même chose, sauf que là, les dégâts sont séparés entre physique et magique. Oh, il est même pas mort. Il est mort, putain, let's go. Bon, ils sont tous morts. Ils sont absolument tous morts. Est-ce qu'il est midlife le gros là? Ouais. Bah on prie. Aïe. Non bah on arrête de prier du coup. Le problème c'est l'autre là-bas. Je le vois venir avec ses gros sabots. Bah super. Merde, bah super, bonne ambiance. Ils sont infernaux, c'est un délire. Oh ça l'a pas touché, c'est une blague. Ah, c'est pas retourné vers lui, putain. Oh, let's go. Le combat de titan. Là, faut que j'attende, faut que je régène un peu d'endu. Voilà, tu dégages. Genre, il a bugué.
il y a un monde où je peux le snipe d'ici. Genre, ça atterrit derrière lui. Non mais pardon. Ça atterrit derrière lui. J'ai visé sa tête, hein. Le jeu, faut aller se faire foutre, hein. Ah, ça le passe à travers. Oh, la triche. Donc, faut que je me mette à range de pouvoir le cibler. Est-ce que là, je peux lui tirer dessus? Putain, mais je perds des carreaux pour rien, c'est nul. Non, ça lui passe au travers. C'est tellement de la triche. Et si je tire à ses pieds? Non, mais j'ai l'impression que... Non, ça... De 1, ça lui passe au travers. Ah, ça y est. Ah, ça va, ça lui fait mal quand même, hein. Je peux pas le cibler. Tricheur, je peux pas te cibler. Ok, bon, ça va, il esquive, mais il se le prend quand même, j'ai l'impression. Ouais, parce que c'est téléguidé. J'avais oublié qu'il fallait que je fasse ça. Pour avoir plus de dégâts. Oh putain, le bâtard, il la dodge. Ouf. Ça picote un peu. Merde, ça tire devant moi, putain. Ok, je vais devoir invoquer mes copains. Pour qu'ils me protègent. Ça marche pas, ça tire devant moi. Ok, là, va falloir ruser, là. Merde, c'est pas ça. Putain, il les a tous tués, là. Oh, il fait ultra mal, hein. Mais dodge! Mais arrête de dodge! C'est compliqué là, hein. Ok, ça va, il est pas à range de me toucher, moi si. Ok. Allez, plus qu'un carreau, on le finit en beauté. Je suis mort. Hein. Ouais. Bon, on va tenter le coup des squelettes. Moi, je suis saoulé. Prendre une fiole, c'est plus rapide. En fait, tout est plus rapide globalement que recharger un putain de carreau dans le canon de Rabat. Super. Ça, j'ai heal le boss. Hein. Allez, allez, viens, on fait rentrer. Oh, j'ai envie de m'éclater la tête dans les murs. J'ai envie de me fracasser les boules. Oh non, c'est pour ma gueule. J'ai tellement pas de chance. J'ai vraiment pas de chance, hein. Oh là là, mais même ça, genre ça, je me le prends jamais d'habitude. Alors par contre, ce qui est bien, c'est que son AOE cancelle le rechargement du canon, du coup je peux retirer instantanément. Ouh, ça a fini par passer. Enfin. Parce que Zarva, c'est un crack. Simplement. C'était un mec qui avait aucun talent de base sur Dark Souls et il a réussi à accomplir un truc incroyable. C'est une de mes vidéos YouTube préférées, d'ailleurs. Ça run là. Magnifique.
Après, bien sûr, il y en a plein d'autres, hein, des mecs qui ont fait des dingueries. Même des trucs bien plus difficiles, mais... J'ai dodge, hein, mais c'est pas grave. Tranquille, tu m'as touché en pleine roulade. Tellement long à recharger cette daube. Oh, fait chier, j'ai lancé le sort au mauvais moment. LMTH, LMTSH. Oh non, ça l'a lancé sur moi. Bon, tant pis, c'est pas grave. Là, je vais me faire troll. Non. Bon, il est où mon golem, là? Là, je te file un petit... Là, il va se reprendre des dégâts, ce con. Ça va être pour ma gueule. Non, même pas. C'est bizarre. Pourtant, c'est moi le dernier à l'avoir tapé. Et merde. Bon, c'est bien, ça a cancel mon chargement. C'est abusé cette attaque, hein. Ça se contre comment? Elden Stars. Et merde. C'est un dodgeable. Ça m'a touché.
Let's go! Oh putain, c'était une éternité, j'avais l'impression que ça s'arrêterait jamais. Merci Sabrar. Merci Elden Regis. Oh l'enfer. Oh putain, je suis lavé. Désolé si je dis rien. Je devrais être plus festif que ça, mais je suis épuisé. Oh merde. C'était compliqué. Hein. Bon alors, est-ce qu'on en fait une compilation maintenant? Ça, c'est la vraie question. Est-ce que je fais une compilation de la run au canon ?